Bon, et bonjour tout le monde. Il est présentement 14h28. On a des orages là, un peu partout là, dans la région de Montréal. Moi, je suis présentement à Varennes. Donc, moi, j'ai la cellule d'orage qui est en face de moi, là, qui est sur Repentigny. Donc, ça tombe en ce moment. Il y a de la petite grêle là-dedans, mais rien pour... On bossera pas les chars avec ça. Là. Sinon, pour tout le secteur là, à l'ouest de Saint-Bernard, de La Colle, Havelock, Beauharnois, Hawick, c'est tout en veille d'orage violent en ce moment. Donc, je vais vous montrer un peu le radar. Là. Donc, tout ce qui est dans la zone ici est en veille d'orage violent. Donc, moi je suis ici, je prends la petite cellule qu'il y a là en avant de moi là, qui me donne quand même de la foudre. Sinon, il y a ça, mais là, j'ai pas le temps de me rendre jusque-là. Fait que je vais voir qu'est-ce que la petite cellule à côté de moi est capable de. Va être capable de me donner si je vais avoir de la petite grêle. Aujourd'hui, là, le setup, il est pas. On parle pas d'orage très, très violent. Là. Des orages qui se déplacent très tranquillement. Il y a beaucoup d'eau sous ces orages. Donc, c'est parfait parce qu'on en a besoin. Donc, on a le rideau de pluie là, en avant de moi. Là. Peut-être qu'il y a de la petite grêle là-dedans. Donc, ça, c'est en train de. C'est en train de se développer. Tandis que les orages qu'il y a présentement à Beauharnois, là, c'est des orages qui ont levé dans Laurentides puis qui descendent tranquillement. Tandis que ça, c'est en train de lever à côté de moi. Donc. C'est plus de ce côté-là que j'ai de la foudre. Donc, c'est sûr que c'est pas le paysage du Texas. Mais on va le prendre pareil. Il y a quand même pas mal de foudre là-dedans. Là. Ici à l'île Perrault, ça tombe. J'étais à Varennes. J'étais à Varennes entre la 132 puis la 132 puis la 30. Je viens de finir de travailler, donc. Sortir la caméra, prendre une couple de photos. L'orage et haute flot, ça c'est grande différence avec les orages des États-Unis. Les orages aux États-Unis, c'était vraiment tout le temps end flow. À un moment donné, ça devenait haute flot, là, mais ça prenait vraiment du temps. Ici, là, on sent l'air froid là, qui s'en vient vers nous, donc. C'est sûr qu'il peut avoir des bonnes rafales de vent là-dedans. Vu que c'est hard flow, ça veut dire que l'air froid descend de l'orage. Donc il peut avoir quand même des bonnes rafales de vent. Là. Bonjour! Pas mal maintenant, c'est un peu plus calme. Donc, c'était prévu, là, les modèles le montraient, mais tu sais, on parle pas d'orage très violent. Et quelques coups de tonnerre en ce moment. Ouais.
C'est plate parce que ça sera encore des bons orages pour le soir. Et vu qu'il ne se déplace pas très rapidement, ben on a le temps de faire. Oh, un éclair. On aurait le temps de faire de la photo d'éclair. Puis pour ceux qui checkent la météo aux États-Unis, ben aujourd'hui on a un gros setup. Un moderate risque, un 10% de chance de tornade pour une partie du Texas, Oklahoma. Donc. Là, on est à 22 degrés. La Chine, méchant tonnerre, rarement entendu aussi fort. Ouais, ça, mais il y a la grosse soleil qui est en veille d'orage violent. Là. As-tu vu, la veille d'orage violent est en vigueur, elle expire dans 3 heures. En gros, ils disent les conditions sont favorables pour avoir des orages violents. On pourrait avoir des dégâts avec les forts vents. Puis, ouais, il pourrait avoir des arbres déracinés. Bon, en tout cas, le discours normal là, d'une veille d'orage violent. Donc, ça s'en vient tranquillement sur moi. C'est pas aussi fort que qu'est-ce qu'il y a à Beauharnois, là, mais on va prendre qu'est-ce qu'on peut prendre. Là. À ce temps-ci de l'année, ben, ça n'a pas trop poussé encore dans les champs. Donc, oui, Mathieu, ben oui, j'ai changé ma station de météo. Je n'avais une autre. Je n'avais commandé une de Sper juste avant le voyage au cas qu'elle brise justement à cause de la grêle. Puis finalement, ben, elle n'a pas brisé à cause de la grêle, mais c'est pas grave. Là, je l'ai installée une nouvelle. Donc, elle marche très bien. L'autre, j'avais des problèmes devant, mais avec celle-là, tout marche sur la coche. Donc, mec, que j'aille un petit temps libre, ben là, je vais démonter l'autre, puis je vais la remonter comme du monde. Donc, je vais en avoir une deuxième. Je vais en avoir une d'espère. Bon, la pluie s'en vient. La pluie est rendue sur la 132. Je la vois au loin. Ouais, ça tombe. Oh, il y a des bonnes rafales de vent qui s'en viennent aussi. Je sais pas si vous le voyez avec le live là. Dans le fond, là, où qu'il y a des arbres en avant de moi, là, ben la pluie est rendue là. Ouais, les cellules passent rive nord. Puis comme d'habitude, ben, ça foire sur Montréal. Un classique. Hein, c'est toujours demain. Oups, un autre. Ou c'est la lumière qui est allumée. En tout cas, j'ai moins peur des éclairs ici qu'aux États-Unis. Alors, c'est le tonnerre. Oh boy! On voit ça s'en venir au loin, là, le mur blanc. Boy, il fait frette là-dedans. Ouh.
Ouais, ça sent bien. Ouais. Donc, la pluie, là, elle est là-bas. Donc, c'est juste l'autre bord du champ. Oh, j'ai du mauve sur le radar. Un éclair. Steph, je suis juste l'autre bord. Je suis à Varennes. Là, tu m'as envoyé des. Une photo tantôt, tu étais juste l'autre bord à Repentigny. Oh, ça gronde. Je vais me déplacer parce que là, il y a du mauve l'autre bord. Le BZ est un petit peu plus fort. L'autre bord, je suis capable de me revirer. Wow! On va me déplacer un peu. Commence à tomber là, aux États-Unis, là, ça tombe tout de suite en grêle quand ça commence à tomber de même. Puis là, c'est juste de la pluie.
là sur l'autoroute 30 en direction de Verchères. Il y a de la grève de 0,75. On va voir si on va employer. Il y a des orages en ce moment. Ouais, descend un peu. Ce sera pas long. Hein? C'est pas grave, hein? Voilà, c'est...
s'il arrive de quoi, ben on va pas voyer aux médias, puis c'est ça. Ça va être la faute du char, du gars en char et non du cycliste non sécuritaire, encore une fois. Météo est réglé tout, dit tantôt, là, probablement que vous venez d'arriver. Ma station, j'ai mis une station météo toute neuve, donc c'est là. En général, là, la station que j'ai, là, si on parle juste de la station, pas de la console, parce que quand on achète la station, la console vient avec. Donc, avec la console, tout ça revient à peu près à 600-700$. Mais pour juste la station, là, c'est à peu près 325$. Juste la station. Donc, vu que j'ai déjà la console, ben, je suis pas obligé de. Mais les pièces, on peut acheter des pièces à part aussi, là, mais c'est plus compliqué parce que je pouvais commander des pièces sur le site internet de Davis. Sauf que je sais pas pourquoi, Davis n'envoie rien au Canada. Je sais pas pourquoi. Là. Donc, seules personnes qui peuvent commander, c'est les gens des États-Unis. Je sais pas si c'est un bug. Donc, s'il y a une place pour se stationner. Ah, peut-être un spot là-bas. Ouais, ma station est réparée. Donc, même les orages que dans le sud, là, que je parlais tantôt, là, dans le coin de Beauharnois, là, c'est tout en train de. Tout en train de baisser l'intensité. Tu sais, c'est vraiment des orages, là. Non violent, là. Ça, regarde. Il y a des orages proches de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Boileau, Grenville et des orages aussi. Rawdon et des orages qui s'en viennent. Charette, Saint-Barnabé, Saint-Sever, Shawinigan, des orages aussi. Trois-Rives, Saint-Joseph de Mequignac. Donc, vous montrer un peu, là. Ça, c'est le radar en ce moment. Ça, c'est avec le radar de Burlington. Donc, on voit pour... Attendez! Des mouches plus capables. Donc, moi, je suis ici. Donc, la cellule, elle a faibli. Là, ça, c'est les autres cellules qu'il y a au sud. Quand on met l'animation... On voit c'était quoi les orages, de quoi ça avait de l'air. Donc ça c'est pour le radar de Burlington. Si on prend le radar de Blainville, donc là on voit toutes les cellules d'orage, incluant sur Alatuc. Donc on voit toute la zone qui se développe. Donc, la seule zone qui est en veille d'orage violent, ben, c'est le secteur là, de Valleyfield, Beauharnois, en s'en allant vers Cornwall, la colle. Donc, c'est ce secteur-là pour les orages qui ont levé tantôt. Sinon, comme vous pouvez voir, il y a d'autres orages qui lèvent. Là, si on va peut-être checker ça
ce soir, voir s'il y a des orages qui vont toffer ou ça va tout foirer au coucher de soleil. Donc, ça fait plus. S'il fait 21. Ouais, si on entend le tonnerre. Ouais, c'est pas mal. Tout ce qu'il y a sous Montréal, là, c'est pas mal mort. J'ai ça devant moi, là, mais. C'est pas mal un orage qui est sur la respiration artificielle. Là. Gatineau. Je vais vous dire ça tout de suite. Gatineau. Pour le moment, oui. Mais il y a des petites taches là dans le secteur de Grinsfield. Petit poisson blanc, lac Pemichigan. L'eau. Dans tous ces secteurs-là, il y a des petites taches en ce moment. Peut-être qu'il va y avoir des orages ce soir. Sinon, côté de l'Ontario, c'est bien calme en ce moment. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Valleyfield, tonnerre et éclair. Ici, là, c'est pas mal. C'est pas mal calme. On attend des oiseaux. Mont-Saint-Hilaire, d'après moi, ça va foirer avant. Ça va foirer. Ça, c'est pas mal tout en train de foirer. Il y a un peu de mouvement en avant, là, mais ça a perdu sa caractéristique d'orage. Ça va peut-être faire monter le taux d'humidité. Là. Granby, tempête de neige, 45 cm de tombée. Je m'en viens drette là. Jean-François, tu fais-tu partie de ceux qui ont hâte qu'il neige? Parce que oui, même si j'étais aux États-Unis, même si j'ai hâte qu'il y ait des orages au Québec, s'il neigerait drette là, je serais heureux. Puis j'ai un petit côté de moi qui a hâte qu'il neige. Là. Moi, j'aime ça. J'adore la neige, j'adore la frette. Là. J'aime tout. Ah, le rideau de pluie s'en vient. Le rideau de pluie. On va dire le rideau d'averse. Ouais, ça vient de. Comme on dit, c'est pas mal mouru. Hey, sur le radar, il n'y a quasiment plus rien. Sur le radar de Blainville, on a du orange. Moi aussi. Anyway, chaque saison a ses avantages. Puis c'est des avantages, mais faut vivre avec. Ouais, les rideaux de pluie s'en vient. L'épiphanie, il fait frais et c'était mieux à matin. Ouais, ben là, c'est sûr que là, l'orage a donné une drop sur ses températures. Je vais aller voir pour le fun avec Radar Omega, c'est quoi les températures qu'il y a en ce moment. S'il fait. Si ça. Tu sais, quand tu rouvres Radar Omega, pis qu'il est encore au Texas. Bon. Température. Attendez, là, je vais enlever les modèles. Contrôle panel, non, c'est pas ça. Il y a un front froid. Hop, la puissance vient. Ah, c'est ça, radar. Single.
Jolie mouche, fiche-moi la paix. Bon. Ça pas long, je vais vous dire combien il fait en ce moment. Station. Ah, bon. Saint-Jérôme fait 18. Vraiment que les stations n'ont pas suivi la drop de température. Fait 16 à Vaudreuil. Jouer le front froid, par exemple, le front froid, il est sur Mont-Laurier. Donc, il y a un front froid dans l'ouest. La colle pas mal foncée, oui, t'as quelque chose qui s'en vient droit sur vous. Vous avez une bonne cellule là, avec de la grêle qui est présentement sur Napierville, qui s'en va directement sur la colle. Devrait être sur la colle à 15h51 si on suffit au radar. Mais probablement que ça va arriver avant. Vois-tu les orages qu'il y a eu dans le coin de Beauharnois? Là, il aurait fallu que je sois là sur l'heure du dîner pour être voir les poignées. Là. Parce que vois-tu, même si je serais parti tantôt, probablement que j'aurais manqué. J'aurais manqué le show parce que c'est déjà en train de mourir. Puis il y a juste dans le coin de Huntington, là, ça s'en va vers les lignes, donc c'est pas. C'est violet sur le radar, mais c'est pas ça qui va. C'est pas ça qui est bien, bien fort. Puis côté rotation. Il y a un peu de vent dans les cellules, mais c'est pas grave. Donc, ça va être à suivre. Bon, je suis à combien de temps de chez nous? Ah, 38 minutes, il me fait passer ailleurs. Bon point. Donc, c'est pas mal ça. Une bonne petite pluie. Parfait pour la végétation. Mais on s'entend que ça va mouiller une surface, mais ça rentrera pas bien dans les terres. Donc, sur ça, c'est pas mal ça. Fait que. Retourner chez nous. Je finissais de travailler. Fait que ça se prend très bien. Il y a une belle petite cellule d'orage en finissant de travailler. C'est toujours agréable. Donc, on les prend. Donc, sur ça, bonne fin de journée. Côté orage, pour la grande région de Montréal, c'est pas mal fini. Là, à part si vous êtes proche des lignes. Ensuite, il y a une accalmie. Puis, il va peut-être avoir d'autres orages après le souper. Donc, s'il y a des orages après le souper, on va être sur le terrain, on va être en chasse. Puis évidemment, ben, il va y avoir un live. Donc, sur ça, bonne fin de journée. Soyez prudents sur la route. Puis on se reparle plus tard s'il y a des orages. Donc, merci beaucoup tout le monde de me suivre. N'hésitez pas à donner des étoiles. Ou à donner des petites contributions sur GoFundMe puis sur Virement Interact. Mais j'oblige pas personne. Vous avez le choix. Donc, pas d'assignation, s'il vous plaît. Donc, sur ça, bonne fin de journée puis on se reparle plus tard. Salut tout le monde!